So on est de retour pour un nouvel épisode. Yes sir. Vous savez déjà comment ça se passe. On est en direct du Hidden Showroom. Sauf so si vous voulez des lunettes, mm. des vraies lunettes. Composez le 514 802 2222 et prenez votre rendez-vous. Et bien sûr, vous voyez nos yeux, vous voyez l'ambiance, vous savez déjà comment ça se passe. Big shout out à la famille de Smoke Signals, Kanisatake. Ooh, oui, big shout out, Smoke Signals. You know they got us right every week. Shout out to the day ones. Yes, sir. What's up, tout le monde? Bienvenue sur le podcast. What boy, 7 What boy, the podcast. You know what it is, man. Vous savez déjà à chaque semaine, man. C'est le podcast, biggest guests in the game, tous les côtés de la game aussi. T'sais. Cette semaine, c est, c est, on est allé un peu left, you know what I mean? C'est pas des rappers, pas des, mais c'est des artistes. Tell them. Des, deux des humoristes les plus populaires au Québec. Facts. Four. Deux des humoristes <laughs> qui font le plus de bruit d'ici, de Montréal, qui représentent aussi nous et la culture hip-hop. Dis-leur. On parle aussi des producteurs. Uh -huh. I'm talking about Fishnet in the building. Okay. Facts, facts, facts. des gars qui font choses en choses en choses partout à travers la province. Ouvrez votre télé, ouvrez votre radio, vous les verrez partout, votre téléphone. Yes, sir. <laughs> je parle. Ceux qui ont créé le plus gros buzz durant la pandémie avec toutes les vidéos online. Oh, je... Wow. I'm talking about the ones, the only. Anas Hassouna et Oussama Fares ici dans la maison. Yo. What's up, guys? Respect, respect. respect. <laughs> <laughs> Qu'est-ce qui se passe, les gars? Non, formez-toi. Bienvenue à l'émission, guys. Ça fait plaisir de vous avoir, man. J'étais là, c'est moi, c'est nous ça. Ben, ça c'est <laughs> nous! Go. Ok, mais quand est-ce qu'il nous présente nous <laughs> un bouche, ça. Non mais guys, ici c'est vraiment ça. Man, il faut qu'on donne les fleurs à, à yo, ceux qui le méritent. Puis, yo, you bon, guys ouais. are putting in work. Ça fait longtemps que vous travaillez. Puis, tu sais comme il y a eu le hype disons durant la pandémie puis les vidéos puis tout ça, mais tu sais je suis sûr que le grind a commencé bien avant ça. Mais mais avant qu'on rentre dans tout ça, il euh, y a un show qui s'en vient là le 23 juin. Yeah, man. Ça, c'est au club Soda, right? Exact. Yes. Parlez-moi de ce show-là. Yo, le festival Docteur Mobilo à quoi, en fait, nous ont approché, man. ils nous ont okay. demandé d'animer notre propre gala, lui et moi. C'est ouais. la première fois que vous faites ça? Ouais, bro. On monte... Ça va être la première fois qu'on va monter sur scène ensemble, moi et Anas. On n'a jamais fait ça. <laughs> ah ouais. On n'a jamais ouais. fait un duo. On, on présente toujours tous nos trucs ensemble. On est ensemble dans Fishnet. On travaille sur tous les projets de tout le monde. Mais monter sur scène ensemble, on est dans un vibe secondaire en spectacle, hein. ça, on c se prépare et tout. C'est ça je me dis, la préparation doit être différente, right, pour, pour ce genre d'affaires-là yeah, Comme est-ce que vous êtes comme « Yo, on prend pas trop de mon shine, on prend pas... Ah! Non? Là, » Ah <laughs> Là, on est plus là maintenant, « Vas-y, mon frère shine, j'ai peur de pas avoir assez de blagues. Hein? » On est plus à l'inverse, « Vas-y, Marc, on est des hype-men chez nos boys, tu si comprends ?» Parce qu'au final, comme on dit souvent ça, hein, mais on partage les victoires comme les défaites. Fait que la vérité, si on a un de nous qui gagne, on gagne tous. Si on en a un de nous qui perd, on perd tous. Okay. No doubt, no doubt. <laughs> c'est plus facile hype que que devenir guédi. Parce que de toute manière, quand quand tu veux juste shine et tout ça, ces sentiments-là, ils sont inconfortables, ils te gruge, bro. Non, c'est mieux 100%, hype 100%. les gens. Après, hype pas jusqu'à que tu, tu, plus là hein, mais, <laughs> mais j'ai vu on euh, dirait qu'il y a du rap aussi j'ai vu Lost puis j'ai vu High Classified yeah, man. Yes. on a des fous invités cette année on a on, on a ben on a High Classified shout-out au rien on bien a sûr. on a Lost le 514 tu connais mm -hmm. puis après ça on a tous les tous les humoristes de Fishnet c'est à dire Mac Ericsson Mi Benson Charles Brunet eh, Anthony Giuliani et, et bien sûr on a Rosalie Vaillancourt, qui est une, une très bonne amie à nous tu vois fait que, ouais, c'est fou, c'est la première fois qu'on réunit rap et humour. Euh, puis on, on gravit toujours sur ce vibe-là, hein, la street, le hip-hop et tout, on a cette culture-là. Fait que. Ok, mais ça, c'est-tu genre, vous faites des sketchs, là, un comédien ça, vous faites yeah. des, 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 des beats, puis après ça, Lost, il fait sa performance. Ça se peut-tu qu'on voit Lost involved dans les affaires de. de... <laughs> tout est possible. Qui sait, man? Never know, hein? ouais, okay. ouais, ouais. Le 23 juin, ça. Exact. Club soda. Oui, on, va, on va faire des sketches il euh, y a une performance musicale de Lost à la fin. Okay, peut-être un sketch avec Lost, peut-être un sketch avec HK, en tout cas des sketchs entre nous, mais ça va tuer. Je pense pas que beaucoup de choses se sont faites ici, fait que ça fait plaisir. C'est cool. dope. Tu puis puis vous mentionnez Fishnet, c'est moi je trouve ça tellement dope de voir un mouvement, tu sais, c'est comme un, un label, comme c'est comme mm -hmm. un, un rap label, mais si vous êtes des, des, des humoristes, tu puis ouais. de voir comment vous êtes tête puis comment mm -hmm. vous, tu exemple, vous, avez une opportunité de put your guys on, vous faites tout un show ensemble et tout. Euh, c'est-tu vrai que Fishnet, ça vient de la chanson de TELUS? <laughs> T'es bien renseigné, toi. <laughs> fish skill, fish skill, tous mes fiends 100%. C'est de là que ça vient. Ouais, ouais. Shout-out, oh TELUS. Shout-out, bro. Euh, ça vient de... Ouais, on, bon, on, on, Quand on écrivait le, le premier projet Fishnet, <laughs> on écrivait un truc qui s'appelle A0, c'est une série de Barbie et tout ça puis ce temps-là, TELUS nous faisait beaucoup rire, bro. Puis parce qu'il vient du haut puis qu'il était incroyable, ce gars-là, l'extravagance à son maximum. Fait qu'on chantait Fishquel, Fishquel, tous mes fins se On a fini par Fishnet, Fishnet. Ok. Tout na puis, tous nos blagues vendent, man. Puis, <laughs> puis toi, tu t es, t es, t es, t es le vendeur de blagues, right? T'es es, es yeah. un peu le business guy derrière le, yeah. le mouvement. T'as toujours eu ce plan-là, toi, de, de, de créer cette boîte? Bon, J'ai toujours roulé en, en équipe. mon père Hernan, on se connaît depuis secondaire 1. On, bon, comme on fait toujours la blague, bon, j'ai l'impression de nos discussions, moi, Péanas, de, yo, c'est quoi le prochain mot, no, c'est quoi le prochain step, c'est quoi que le public veut voir, qu'est-ce qui pour, pourrait sortir du lot. J'ai l'impression, depuis que j'ai l'âge de 12 ans, je fais ça. OK, ouais. Fait que, parce que, ouais, man, on, on a cet esprit de très convivial, très vibe. Ça veut dire, depuis tout ce temps-là que vous vous connaissez, Stills Den, c'est votre premier show ensemble. Où on est les deux sur une scène, ouais. Wow. Ouais. On est ensemble sur une scène, oui. On a fait minuit la clôture rapidement ensemble, mais on présente une ouverture de spectacle ensemble, ouais. Magnifique. Mais même, même au début, je pense, toi, tu faisais, tu faisais plus le business side. Comme yeah. Tu faisais même pas le stand-up, genre. Yeah. C'est quand tu t'as commencé Je faisais le... Je, à, à, au secondaire, on faisait de l'impro. Ben, Anas faisait de l'impro. Moi, je faisais un peu l'animation de secondaire en spectacle, des trucs comme ça. Ah, oh, OK. Puis, bro, ils m'ont refusé à l'École nationale de l'humour. Fait Ils m'ont fait le noy un peu, j'ai douté de. Ah, ok, t'as Mais... comme dit, Ah, oh, je fais plus ça. Ah, ouais, bah, ça fait mal, hein t'as ah, ouais. un petit égo de gars de 17 ans, tu viens de l'aile, on te dit que t'es drôle dans le hood et tout. Fait que ça fait mal, tu toi, vois. C'est ton gars il passe, toi tu passes pas. Ah, je suis plus drôle ou quoi, tu vois, c'est <laughs> panique. <rire> <rire> Mais après ça, bon, pour, comme on dit, c'est pour continuer à chiller Canas, puis traîner dans des, des sous-sols à jouer à Need for Speed. Puis à, à, à manger du fast food, j'étais comme il faut que je me trouve un rôle, tu vois. Les yeah. gars, ils font, ils font humoriste. Fait que, fait que je suis devenu beatmaker de l'humour. C'est dope. <laughs> puis puis est-ce que step on stage, tu sais, après exemple que ton boy, il fait depuis plus longtemps, mm -hmm. toi de, de dire, OK, moi, je vais step up sur le stage puis faire Mais du step -up up fait, aussi. Mais Vite fait, si vous me permettez. Ah, vas-y. C'est quoi le premier step que tu as décidé de faire Tu es là, tu vois que tous tes gars, sont en train de. Moi, c'est grâce à lui, la vérité. Bon. OK. Ouais, ouais. Moi je tr... la vérité humblement, bon, je parle, pas... ça fait peur, bon, c'est effrayant. Hein. Même moi quand j'ai commencé à animer des secondaires en spectacle, je l'ai toujours fait en groupe parce que j'avais trop peur d'écrire un texte tout seul. Des fois tu c'est plus cool être un groupe comme ça, si ça foire et tout, tu te dis vas-y, on se le partage. Tu préfères manger tout seul. Tu ne veux pas manger tout seul à la belle pro quand ça va mal, tu vois. C'est une longue poutine, Nadjir. T'as oh. l'impression qu'il a pas beaucoup de cheese. <laughs> Mais ouais, euh, quand, quand on faisait beaucoup de business et tout, puis il y a eu un temps mort où euh, on faisait moins ça, en fait, tu vois. On faisait moins ça, on habitait ensemble, puis on. on... Tout le monde est parti un peu de son côté et tout. Puis, bro, je traînais dans le hood, je faisais pas grand-chose, je jouais à Fun Run. Puis, je fumais des back avec les gars, la base. Puis après ça, ben, Anas est venu me check, m'a dit, bro, c'est pas une carrière, fumez des back-hoods. Je monte sur scène. Puis... <laughs> puis, toi, Anas, quand tu, quand tu montais sur scène, euh, c'était quoi, quoi ta raison première Bah, yo, bro, depuis le premier jour où est-ce qu'on se connaît, on parlait toujours d'humour, nous. Alhamdulillah, c'est quelque chose qu'on a toujours su qu'on voulait faire fait que man, euh, moi c'est le plan man, ben, lui et moi c'est le, le plan depuis toujours Hamdoullah c'est une vocation tu comprends ouais. fait que depuis qu'on a 11 ans lui et moi on se parle puis on se dit oh, non c'est ça que les blancs ils veulent entendre c'est pas ça tu comprends <laughs> on est là en train de manigancer là depuis comment ils vont des nous années hein? comment ils vont comment ils vont nous comprendre comment ils vont comment on va réussir à le faire en gang fait que, heureusement même si j'ai cette chance -ce que, que ce soit à 11 ans quand je faisais de l'impro alors euh, dix ans plus tard quand on écrit nos, nos blagues ensemble ça a toujours été le même plan man c'est de make it » dans l'humour en gang avec les gens qu'on aime c'est faire rire les gens puis il y a le format clair sur le stage ouais. mais il y a aussi le format sur, sur le web c'est ouais. enfin, à dire de faire des vidéos ouais. est-ce que ça a été quoi vraiment votre première euh Objectif, parce que c'était plus de, de, de hit le stage ou d'essayer de hit par exemple les réseaux sociaux, YouTube. Ou Mais ça a été compliqué, ça a été complexe parce que les plans ont beaucoup changé. T'sais. comme euh, Au début, on a toujours tout, voulu tous faire de l'humour. Là après, l'école de l'humour, ça, un, un, ça a été comme une espèce de porte fermée. Fait que, mettons, Oussama il a commencé à étudier d'autres choses en radio et tout. Puis, comme je sais pas, on avait ce plan-là aussi avec d'autres amis, d'autres associés. De, de, on avait ce plan-là de faire de l'humour, mais on ne savait pas comment. mais On savait qu'on voulait faire ça ensemble. Fait que, tranquillement, pas vite. Lui, puis notre, notre autre associé aussi, Lamine, qu'on connaît depuis 11 big, ans shout yeah. big shout out. Euh, on voulait faire de l'humour ensemble. Les gars, ils avaient, lui et Lamine, ils n'avaient aucune expérience en quoi que ce soit. Fait sais ne pouvaient pas vraiment être nos gérants, même si c'est ça que tout ils le monde peur. ambitionnait. Mais ouais. c'est comme. Ils n'étaient même pas à l'aise eux-mêmes de vouloir nous gérer parce qu'ils avaient vraiment rien là-dedans. Mais écoute, euh, la main est partie faire une école de, de, de gestion, je me rappelle plus laquelle. Puis, euh, tranquillement, pas vite, c'est comme le destin. Il y a morceau par morceau, les choses se sont... Mm -hmm. Puis là, à un moment donné, on s'est dit qu'on allait faire une série. Fait que lui et la main, ils ont acheté le stock, du matériel ça. pour genre des dizaines de milliers de dollars. C'est so, do, do it yourself. Ouais, ouais. On, a acheté une, on a acheté une caméra, une Blackmagic, parce qu'on trouvait qu'elle elle avait une prestance, tu vois. La caméra était grosse, c'était pas genre une Sony ou un truc comme ça, c'était une grosse caméra, Blackmagic. <laughs> si on vient avec ce stock-là, devant des gens, comme mettons, on filme un film mariage ou quelque chose, tu comprends, les gens se disent, a de la grosse riz, caméra. Ouais, ouais. Mais tu sais quoi le problème, bro? C'est que la caméra, bro, elle est grosse comme ça pour des raisons, tu vois. Que la caméra elle était impossible à utiliser. Genre il faut, faut tout, tout plein de gros choses. <laughs> C'est pas juste la grosse caméra. Il faut, il faut une batterie. La caméra elle a une capacité de 14 minutes de batterie. qu'on <laughs> qu a réalisé qu'on a acheté une caméra de comme à 7000 go, ou un truc comme ça. Puis comme Bayo. Vous savez pas l'utiliser, vous aurez dû aller dans l'utilitaire et tout. Fait que c'était déjà dans l'esprit, comme non, non, mais on doit rentrer big, you know. Mais rentrer big, ça comporte plein de problèmes, tu, tu vois. Je sais pas ce feeling-là, c'était quoi, man, Il y <laughs> est pas, non, man. Tu peux pas décrire le feeling <laughs> que tu viens de prendre pour environ 30, 40 000 de stock. De stock. Yeah. Tu viens de passer quelques mois à écrire une série. Si tu veux la tourner puis tu te rends compte que tu sais ni utiliser le stock ni tourner une série <laughs> ni créer une série. Yo, on était au, au Barber le Crystal Cuts, que je sais euh, les gars de rivière salut, big shout out, ouais, shout -out, big, shout -out big rich, euh, Mario tout ça. Voilà, puis, euh, les, gars, yo, les gars, ce qu'on croit, on est des comiques de du road et tout. On fait notre chasse là. Puis, comme, ouais, les gars, vas-y, on vous passe notre truc. Vous venez les dimanches et tout. Pourquoi on, pour vrai, on a écrit des, comme des 15 minutes, là, genre des, des longs trucs, 10 épisodes de 15 minutes avec des réunions tous les lundis, mardis. puis nice. Gros dévouement. Puis on arrive, première journée, bro. Bah, puis là, la caméra, on sait pas comment l'utiliser. Moi, je réalise que je suis aucunement un acteur, bah. <rire> <rire> Ma voix est fausse. Les deux, les les ah, deux ah, on, on réalise ça, <laughs> On était sûr que l'acting, c'était juste c'est bon, tu débarques. Puis ah là, après, c'était tough la première journée. Là, cette naïveté-là, elle est utile hein, pour avancer. Il faut, yeah, être un... il faut être un peu euh... mmh, rêveur. Ouais, rêveur, même. Puis nous, on était... était sûr qu'on allait percer avec ça. Live là, 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 <laughs> notre, notre plan d'affaires, c'était dans six mois, on achète une Lambo, elle n'est même pas louée. Ah, on fait... <laughs> en six mois, frérot, on n'avait pas les moyens d'acheter une mémoire pour la caméra. <laughs> Mais vous parliez de. De pas savoir être un acteur ou quoi que ce soit. Mais je pense que savoir écrire aussi. Je ne sais pas si ça, ça a été un skill que vous, de, vous avez appris. Vous vous êtes dit Oh, écrire des scripts, euh, écrire un truc de 15 minutes. Ouais. Comment vous vous êtes pris là-dessus Dans ce temps-là, on savait juste être drôle. On ne savait même pas écrire. On savait juste être drôle. Puis on voulait écrire. Ouais. Ça, c'est quoi Avec le temps, ce que vous développez votre style Avec ou... beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions ouais. <laughs> et qui se plantent. Ouais. Et tu te remets en question, puis tu te replantes après que tu sûr que, que tu avais compris. Dans ce grind-là, plein de fois, tu as écrit des affaires que tu penses c'est trop dope, genre, puis que tu un rude. Euh... Ouais, ouais, bon. Tu des trucs avec. Tu sais, maintenant qu'on écrit des, des choses, on, on, a, on est conscient que l'idée, il faut qu'elle soit viable, tu vois, comme. Je ne peux pas dire, euh, il nous faut quatre cheveux blancs qu'on court dans un champ. Je trouvais <laughs> les cheveux blancs, les cheveux blancs sont UDA, puis pas quelques trucs, puis ils ont des gérants, les chevaux. puis... <laughs> c'était pas assez Non, mais plus... c'est moi je trouve tellement... C'est sûr que c'était tough, le grind. Puis ces temps-là, c'était difficile, mais de voir que, tu sais, après quelques années, où est-ce que vous êtes maintenant, puis les projets que vous faites c'est comme Anas, you know what I mean, Light Flex, il revient d'un tournage, you know what I mean. Yeah. Euh, les, les projets que vous faites, vous faites ah ouais. des, des gros shows. Euh, à, à la fin de 2021, je pense, vous avez fait l'Olympia, right? Yeah, bro. C'est euh, le... vous qui l'avez produit, yes. le show puis tout. Which on a is... produit euh... 2021, puis là, on vient d'en faire deux, hamdoulilah. Ouais, deux autres. On, on a produit presque quatre, ouais, quatre Olympias cette année. Wow. Ouais, ça fait plaisir. Crazy, bro. Incroyable. Puis de, de voir où est-ce que vous êtes rendu puis moi, je trouve que du fait que c'est indépendant, du fait que c'est à votre manière, tu sais ce que je veux dire, c'est tellement plus un, un, un accomplishment. -ce ben oui, c'est vraiment grâce aux gens que. Tu vois, les, les mêmes gars qui nous supportaient au secondaire ou devant la pizzeria ou au barber, qui disent, oh t'es drôle, bro, oh t'es drôle. Que, tu comprends, au début tu check des blagues sur le corner, tu comprends, c'est les mêmes gars aussi qui, qui te partagent, puis qui te poussent, puis qui ouais. disent, yo je vais avec 10 personnes à l'Olympia. comme Dope. Le flex, il est cool d'avoir produit un Olympia, mais je te jure que c'est tellement un truc de communauté, tu vois. Ouais. C'est tellement Encore truc de truc de... Quand tu vois dans le public tes gens que tu reconnais... Bah... Frrr, Alors, pour le 16, 16 décembre, le bro public, Ouais, tu te rappelles le 16 décembre qu'on est monté sur scène C'était malade. Ouais, là, je pense qu'il a dit un truc. J'avais l'impression de jouer devant toutes les écoles secondaires de l'Est. Yeah. <laughs> les gars de Calix, les gars de Jean-Croix, les gars d'HB, les gars de Fontini, les gars... Cool, Pantini, les gars. Cool. On joue Ouais, 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 ouais C'était un secondaire au spectacle régional. C'était mm -hmm. incroyable comme sensation, tu yeah. vois. Puis j'imagine beaucoup des publics, public qui vous suivent, c'est peut-être pas des gens qui suivaient le, le, beaucoup d'humoristes d'ici ou des choses comme ça. Parce que moi, moi-même, je commence de plus en plus à m'en intéresser. C'est surtout avec des gars comme vous, euh, euh, anything that you know what I mean, qu dans quoi on peut se reconnaître. Tu fait que je trouve ça dope, Puis quand que je dis, vous êtes comme un rap label. Moi, ça me fait penser à un peu 514. Ouais. Comme 514 ils ont grow à un niveau qu'à un moment donné, les chiffres sont indéniables. Tu comme Quelqu'un va vouloir les signer, ils vont avoir des opportunités, tu Puis vous, de la façon que vous êtes en train de marcher, je vois que les choses sont en train d'avancer pour vous, c'est vraiment nice. Euh, la semaine passée, on a eu Sharaf ici, Big Shadow, mon boy Sharaf. je le vois avec ses shades, you know what I mean, looking very yeah, managerial. Non... <laughs> Big Shadow, lunettes. On, on était ici puis on, on parlait, de, 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 de la séparation un peu entre l'industrie québécoise et les rappers. Ouais. Tu sais, comme ah. On... On dirait qu'il y a un split, ils sont un peu peut-être chouk entre guillemets. Est-ce que, est que vous, dans la communauté d'humoristes, c'est comme ça? Parce que vous êtes quand même un brand différent de l'humour qu'on voit au Québec, euh, l'humour populaire, disons. Mais nous, <coughs> on, crache, on crache pas sur le, le, le circuit mainstream et tout. Ah non, non, sans... Pas du tout, mais c'est juste que nous, on est. Pour l'instant, pas toujours, mais en fait, non, c'est juste que de là où on a commencé, on était diamétralement opposés. Là. Nous, on a commencé de la rue, beau comme on a payé par nos propres moyens les affaires, puis on a commencé à faire nous. Il n'y avait pas de gérant de l'extérieur. y avait subvention, subvention. tout ça. Ouais. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas en faire. <rire> <rire> on n'a pas été subventionné. Le seul projet où est -ce on a été subventionné, c'est « On est là, ouais. mais c'est avec l'Olympe yeah. nice ouais, ». On, on y viendra, yes sir. Bah on oui. viendra. Mais là où est-ce qu'on a commencé, c'était de l'autre côté du système mainstream. Bon, les, les vrais, vrais mainstream, même en humour, commencent à peine à savoir qui on est. Ah oui. bah ouais, non, je peux pas croire ouais. ça, bro. Ouais. Les humoristes, les humoristes et tout, c'est vraiment un petit milieu, fait. On se que que connaît, que les et eux, ils, nous ils nous connaissent. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais les décideurs dans le milieu de l'humour, les gens qui... Euh... Mais c'est qui les décideurs J'en pas je... Je juste nommer leur nom, je les connais. Non, mais c'est même... sans dire c'est quoi. Au-delà de ça, il y a, mettons... Regarde, je ne même pas par où commencer. Même ouais, des... des... pas au-delà de ça, c'est des salles de spectacle qu'ils achètent. Voilà, c'est ça. Par exemple, les propriétaires de salles de spectacle. Voilà. Eux, surtout si, moindrement s'ils si sont à l'extérieur de Montréal ou quoi que ce soit, ça va être dur pour eux d'avoir entendu parler de nous parce que moi mmh. je commence à peine à passer à la télé ou ça m'a aussi à TVA, alhamdoulilah, mais c'est. Donc vous avez. On vient jamais... de commencer là, nous. Là. Ok, vous n'avez jamais fait de show en région On en non. a fait par nous-mêmes. Par nous-mêmes dans des bars, mettons pas des salles de spectacle ouais. officielles. Ouais, mais c'est sûr fonds. que vous avez, vous avez déjà été approché, j'imagine, pour signer avec une, une boîte de prod comme les. les... Il juste pour rire, ces choses comme ça. Ben oui, ben oui, ben oui. Souvent, souvent, souvent. Qu'est-ce <laughs> que ah, tu dis? C'est <laughs> euh... <laughs> fois, c'est juste qu'on roule en mob. <laughs> fait qu'on est c'est intimidant pour les gens. <laughs> t'en signes 1, t'en nuit 8. Je <laughs> <laughs> suis J'adore ça. I love that uh, Oui, non, non. Tout... Les gens... tout le monde dans le squad est talentueux. là C'est pas comme si... Euh, God bless, God bless. ce que je veux dire. Le, le team, tout le team est fort. là Ben oui. Mais... Il y a plein de gens qui qu'ils qu ont cru en nous, puis plein de gens nous donnent de la force, puis tu sais plein de gens, même oh, maintenant, y a beaucoup de gens nous disent vous l'avez d'être, tu comprends, vous êtes resté euh, un, un peu borné, puis tête dure, comme si c'est comme ça que ça va marcher notre truc, tout ça puis sais, beaucoup souvent on a entendu au début tu sais, c'est pas tout le monde de votre équipe qui va percer <laughs> c'est fou, nan. on l'a entendu beaucoup de fois ouais, ouais, ouais. comme si on a, ça se peut qu'il y en a un qui perce pas mais l'autre perce mais non non on était comme oh, non bro ouais. tout le monde va percer je te le promets mais tu sais quand les gens disent ça ils ne sont pas méchants là. ils, ils essayent de te conseiller là ouais. eux, oui ouais. puis en passant c'est vrai c'est généralement vrai ça ça c'est vrai réflexe mais vous savez aussi vrai. Mais vous le saviez sûrement c'est les gens ils te disent ben ouais peut-être je sais que vous pensez ça ou quoi que ce soit ça veut dire c'est pas comme si c'est Mentalité peut-être qui vous surprend de faire face devant eux. C'est peut-être plus eux qui, qui, qui se retrouvent à un mob, façon de dire, une nouvelle, ouais, une c est nouvelle mentalité. Mm. L'humour, la même Chris Rock, il dit que c'est un art euh, d'être individuel, d'être proche de ses idées, puis d'être tout seul. Puis les gens ont beaucoup de conscience de cette mentalité de le clown triste pour faire des blagues, ouais. puis être très torturé tout ça. Je suis down, mais je ne suis pas d'accord, tu comprends <laughs> T'es down Je suis ben down ouais. de, dans, dans le fait que je peux comprendre ça, mais bon... Ça peut être aussi très convivial, puis partager des idées, yeah, puis drôler ensemble. puis... 100%. <laughs> je trouve que c'est ça qui est cool de votre énergie, vous autres. Comment, comme vous dites, là, You guys move as a mob. L'équipe est là, puis tu commences par connaître. C'est comme les rappers. Ah, oh, ça, c'est mon favori du crew. Ah, oh, j'aime lui. Ah, oh, lui, il est oh. d'autres pour ça. Mm -hmm. Tu sais ce que je veux dire Chacun ouais. a son vibe. T'sais. Ça doit être tu aussi. T'sais. Big shout out à la communauté maghrébine, que, Claire, que vous représentez, since de. The... Ça a été comment Toujours hein? respect. But yo, la vérité, les maghrébins. Puis les haïtiens, c'est euh, mm. après même les latinos, tout ça. C'est générationnel, nous c'est ouais. les jeunes, en fait. Ben, ouais. C'est comme on, on se fait comprendre. Mais quand je dis jeunes, c'est jeunes au sens large, là. C'est pas... En fait... Ouais, ben, tu parles pas juste des 13-17 ans. Non, euh, non, non, non ça, là, pas, pas du tout. Jusqu'à okay. 40, 45. Ben ouais, 40, 50, jeune, ans 50 ans en bas. 50 ans en bas, ouais. God bless. Respect. <laughs> Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que dans votre bas, euh, c'est diversifié. Il y a des haïtiens... Il ouais. euh, euh, y a des blancs, il y a de des blancs. blancs et tout, ouais. donc ça doit ramener aussi un truc de fraîcheur, même l'humour. Vous devez pas tous avoir le même humour. Ça, c'est le truc le plus fou quand on fait le Fishnet Show au théâtre Sainte catherine On mettons, il y a un peu de public à Charles, un peu de public à Anas, un peu de public à Mie Benson, un peu de public à Ericsson et tout. Puis le truc le plus fou, c'est voir mettons, un gars de mon public être saisi. De Charles, tu comprends? Elle ouais. dit, moi, tu me connais, j'ai un rap. Mettons, euh, Jay connais c'est un peu son vibe d'humour et tout. Et là, il va voir Charles, puis il est comme, oh ben non, yeah. tu comprends? Parce que c'est fou, ça, venir voir un show, puis être comme, yo, lui, il sort d'où, tu comprends? C'est trop fly. Exact. Moi, c'est comme ça, je, je l'avais vu sur euh, On est là, ouais. actually. Ouais. La première fois j'avais vu, là, j'étais comme, damn, he's funny. Puis là, maintenant, je le suis, puis a lot of people like no follow him. Puis c'est comme je t'ai dit, tout le monde découvre. Tu c'est ça je veux dire j'ai jamais vu un crew monter comme ça j'imagine peut-être qu'il y en a déjà eu dans l'humour ici mais je trouve c'est dope uh, it's very rapper like tu sais j'ai déjà entendu que on vous a déjà dit genre hey, uh, calmer le slang diminuez uh, diminuer t'sais, un vous peu, venez ça. tout le temps ensemble des trucs comme ouais, ça ouais, tu ouais. puis vous n'avez jamais suivi ces conseils là vous avez toujours continué à être vous-même est-ce que vous pensez vraiment que le grand public est prêt genre pour, pour tu de la façon dont vous, vous présentez vos shows plutôt bah tu sais si je pourrais, ouais. Je pense que tout le monde doit prendre des risques artistiquement, tu vois. Quand même. Mmh. moi je prends des risques pour me faire comprendre du grand public, pour ne pas rester que communautaire, tu vois. Comme un diffuseur ou quelqu'un doit prendre ses risques et dire mmh. Ah ben je dois présenter ce genre d'artiste à ma clientèle, tu vois. Je pense que tout le monde doit faire le pont des deux. Comme moi, là, comme moi, je dois... Moi, au piano on est. On, on, c'est notre Québec tu comprends pour moi c'est mon Québec j'espère qu'un jour je vais faire rire Magog tu vois 100%. c'est ça l'important pour moi de faire le pont mais comme alors je pense que les diffuseurs maintenant de Magog doivent dire ah peut-être que les gens de Magog vont si on leur montre ils vont adorer tu vois pourquoi Il faut arrêter de dire le monde là pense comme ça puis tu humoriste là et ainsi puis non c'est ça moi je pense que c'est vraiment une question de que les gens soient aware puis sachent que ça existe tu sais parce que toutes les mêmes les mêmes fans de, de, des artistes qu'on reçoit ici, c'est sûr qu'ils vont connecter avec votre genre d'humour. C'est ce que je veux dire parce que comme c'est tout relié. C'est oui, oui. ce que je veux dire. Puis puis, il y a, okay. y a des grands publics partout au Québec. Mm. So yeah, man. I see, hey, I see it happening. Ce qu'il y a aussi une grande communauté, c'est la communauté française. Oui! Mm -hmm. oui. Et, puis il y a Roman. Super, shout-out au boy. Tu comprends? Donc, ça, comment vous l'avez connu? Moi, je l'ai connu au stage de l'école nationale de l'humour. Ils ont fait l'école ensemble. Ouais. OK. Puis l'école... Ok, donc toi, tu as été refusé et Anna tu l'as ouais. fait, l'école. Ouais. Est-ce que c'était vraiment utile? C'est -ce quoi que tu as appris, disons? C'est comment l'expérience de... Moi je, je, euh, ben moi, je veux parler dans mon cas, 100% dans mon cas. Euh, l'expérience de l'école, c'était vraiment utile. C'était vraiment... Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de, de le faire, là, pas du tout. Mais, mais ouais, c'était très utile parce que ça m'a montré euh, beaucoup de choses dont, euh, un peu comme le rythme de travail, ces affaires-là, mais surtout les contacts qu'on a fait euh, Parce que j'ai rencontré plein de profs extraordinaires qui m'ont donné des... qui m'ont vraiment fait avancer dans la vie. Puis, euh, ben, admettons, euh, je me suis beaucoup plus... Ben, Roman, c'est devenu mon boy, puis c'est devenu notre boy à travers ça. Euh, Rosalie aussi, avec qui euh, jusqu'à aujourd'hui, on, on est, est amis et tout, puis on va travailler. Fait, puis aussi beaucoup d'autres gens, mais bref, ça m'a apporté sur beaucoup d'aspects. Dans mon cas, à moi, ouais, ouais, 100%, c'était utile. Mais oui. Mais il y avait aussi ce... Comme à l'école déjà à ce moment-là, comme je, je faisais... C'était tellement loin de l'humour que je fais aujourd'hui, parce que comme l'école, ils, ils font de leur mieux pour attirer... En tout cas, j'ai jamais, jamais senti qu'on était raciste avec moi à, à l'école ou quoi que ce soit. Même au contraire, c'est juste, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas les installations pour l'humour que Oussama et moi on fait aujourd'hui ah ouais. exactement il est pas adapté peut-être à votre truc qu'est-ce que je veux dire Qu a... parce que pas... personne d'autre il bah, n'y a pas eu d'avant personne d'autre qui représente cette culture en fait il y a peut-être peut-être plus ce qui était passé aussi par l'école mais il fait il fait moins d'humour maintenant um, Rachid Badouri euh, a pas fait ça non il a pas fait l'école il n'a pas eu le temps <laughs> oui ouais. OK Rachid c'est grand boss oui oh, il n'y a pas eu beaucoup de gens en tout Mais coup, disons, en du, disons, du hood, disons du hood. Du hood. Exactement. On fait des blagues du hood, nous, tu vois. C'est ça. Mmh. On fait des blagues. Tu Fais, comme devant 12 blancs, je ne pouvais pas débarquer. Des, Yo, gang de renseurs, sagan, tu comprends comme... <laughs> Même Juste pour voir ouais, le crowd reaction, ça serait se <laughs> <horrible. rire> <laughs> Mais c'est clair dans les commentaires, y a, j ai, j ai, ça a du pop, là, à, à, à vos débuts. Regarde comment ils parle voient les expressions. Ça a été comment, disons, les premiers contacts avec. Euh, parce que les gens, ils doivent dire. Hey, euh. Nos premiers contacts, c'était avec des, des, des soirées d'humour ou alors dans des spectacles. Parce que le public que nous, on attire aujourd'hui, euh, personne ou presque l'attirait avant. Avant, il y avait le couscous, mais encore là, le couscous, c'est comme ouais. un autre truc, tu comprends yeah. comme, Fait que pour nous, on a commencé de l'humour très euh, adapté juste pour le public mainstream, c'est-à-dire les Blancs. Mais quand on a commencé à faire notre teint ça a été comme une révélation parce que on... le, bad le, oh, le bad boys le bad boys moi, le bad, bad boys mais oui mais oui le bad boys ça a été un peu euh... non, nous nous le faisait euh, on faisait nos trucs bah euh... ben, on était déjà ensemble en fait sauf que on, on faisait on, on... ouais ben extrémiste un peu tout ça mais on était moins moins street humour que comme maintenant tu vois ouais. le bad boys ça, ça aussi ça ça a réuni d'autres gens qui avaient pas fait d'humour ça fait vraiment une, une communauté de donc gars qui, qui 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 parle du haut, qui parle comme des gars du haut qui raconte des histoires du haut, qui vivent les mêmes struggles. Yes, yeah. ouais, c'était hein? incroyable là, les premiers Bad Boys mm. au au cabaret à Laval. Au cabareté, ah, bah, cabareté, cabareté. Oh, cabareté excusez-moi. OK, ouais ouais. Au cabareté, je pensais à manger. Bad. C'est cabaret tété. Tu étais Yo, non mais, mais c'est fou parce que juste avant qu'on fasse le Bad Boys, en fait quelques mois avant, j'appelle Oussama, je suis en train de capoter, je lui dis yo beau, je viens de voir quelque chose qui s'appelle le Dev Comedy Jam, dans le fond c'est le street ouais, ouais. mais aux États-Unis, tu ce comprends, c'est comme euh, les, les humoristes noirs incroyables, genre dans, dans la génération de Dave Chappelle, ouais, même Bernie Mac, Bernie je pense, Mac Martin, uh, ouais, ouais. Martin Lawrence, ouais. tous, tous ces gars-là, ils ont fait ce que nous on faisait mais bien avant. Puis en fait, eux, ça, c est, c est, vous avez amené un peu ce flavor Moi rire, quand ouais. j'avais vu ça, j'ai appelé Ousama puis j'ai dit yo, bro, oui nous faut ça, tu comprends, ouais. mais on avait on n'avait ni le public ni rien pour le faire dans ce temps-là fait qu'on on, ju on s'est juste préparé comme Oussama, il disait bon, on peut on peut pas faire ça mais on peut s'arranger pour être les meilleurs qu'on peut là-dedans ouais. en attendant que ça se passe crazy ouais. and here we are now live au podcast Yeah, man. c'est un live shout out à vous ben c'est ce que vous faites c'est incroyable pour un de vous recevoir les gars c'est un beau crossover l'humour mm. le rap le hip hop est-ce que vous en grandissant dans le hood euh, vous avez grandi sur du rap local est-ce que vous avez grandi sur du rap euh, plus de France des States ouais. comment pour nous ça ne file pas comme un crossover parce que ça normal. fait partie de la vie toujours tous les ça c'est pour une chose que c'est arrivé en fait ouais, ouais. <rire> <rire> moi, je ne sais pas comment faire autre chose là on est choyé un peu la culture penche vers ça et tout ça tu vois. mais sinon c'est bon, être passionné envers quelque chose puis être... vouloir tu sais moi, nous, on nous regardait Jamel Deboos quand on était jeune on est génération bah oui, Booba Lafouine mmh, mmh. H euh... Mmh. Euh... Tout ça, tu vois, fait, quand c'est à... quand, quand arrivé ça, on n'était même pas conscients. Tu sais, nous, on serait continué à se battre, même, hein. même si ça n'arrivait pas, on aurait continué à faire les mêmes numéros. Mêmes... <laughs> <laughs> la même chose, mais normal, tu vois. Là, tant mieux pour tout le monde, tu vois. C'est cool. Puis la culture penche vers ça, mais... Ouais. C'est un... nice. Puis c'était quoi, vous écoutiez tu sais, comme, okay, On sait que vous écoutiez TELUS. Ça, C'est sûr, ça bampait. Mais qu'est-ce que vous écoutiez d'autre bah, bah, à Kennedy, d'ici de Montréal, disons Enima, c'est sûr, dans ce temps-là, je pense... Que... Mais, uh, on a écouté Luce un peu avant un imam. Oui oui Oui, avant, avant. Oh, ouais. Yo Telus c'est old bro comme Wu Tang. Wu Tang ok ok yeah, there we yes. go producing live out here y'all know uh, how we do it. <laughs> 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 Mais qu'est-ce qu'on a écouté qu'est-ce qu qu que j'ai écouté uh, dans ma jeunesse? On traîne avec des malades. <laughs> 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 back oh bagdad ben oui, music bagdad music yeah, ben oui. yes 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 avec Pharaon aussi, ben oui, 100%. Mais dans ce temps-là, c'était surtout euh, ça, le rap aux États-Unis puis le rap en France. Tu comprends, à Montréal, je sais qu'il y avait beaucoup de rappeurs qui étaient là avant, mais comme tout ce mouvement qu'on connaît aujourd'hui de ouais, Lost, pareil. Canicule, 514, tout ça, ça n'existait pas. J'ai de Sean Paul très juste... jeune. Ah ouais Ouais, ouais, sur Yahoo Music c'est ça, mais c'est ça, toi t'es un club guy yeah, yeah. depuis toujours, j'étais un club 8 ans guy. tu veux déjà turn up si tu me dis, <laughs> si dis j'écoute du Sean Paul c'est sûr que t'étais un fuzzy oh, quelque part j'étais jeune moi, <laughs> Sean Paul, 50, du Rhythm quand j'ai découvert le Rhythm, j'ai noyé noy les premiers ouais. Miss Bye. Fatty Fatty Benova, Benova, Benova Et là, là, 13 ans, t'as des couillages. Le lendemain, on allait laver les sous-sols okay. parce qu'on se frottait avec nos jeans. <laughs> tu bah après, le lendemain, on allait essuyer, on allait les laver. That's funny. Ah ouais. oh non, mais c'est ça. Est-ce que tu... tu les croises des fois dehors? Non, mais c'est ça j'allais dire. Il faut, je... faut que tu passes au people. Là, man. Je vais venir. Je... On va t'arranger une petite section qui a, une grouillade friendly section. Genre ouais, de... ouais, ouais, ouais. Comme ça, on va te mettre bien. Non, mais je suis allé à toute la juste famille. À... Juste à danser avec les mains. là, ça There y est. you go. On ouais, ne plus <laughs> les vraies grouillades. On est trop vieux pour ça. <laughs> Est-ce que. Euh, vous, si le, le Québec, disons, ou le mainstream ne comprend pas vos blagues, est-ce que, disons, avec l'Internet, vous avez reach par exemple l'Europe, peut-être qu'ils ont peut-être eux plus compris parce qu'on sait que le, le sling. Ouais, ou y a-t-il quoi... des publics dehors du Québec qui, qui, qui vous suivent, avec ouais. que vous voyez qu'il y a un following, genre Ouais, on se fait, fait souvent hein, un peu harceler <laughs> de pourquoi est-ce que, quand on a fait l'Olympia, moi j'ai dû recevoir une bonne. Vingtaine de messages de gens. Merde, je voulais prendre mes billets. Je croyais que c'était l'Olympia de Paris et tout. Ah ouais. Mais ça, c'est grâce au fait qu'on ben, on a fait minuit avec. Euh, Roman, Roman, Roman nous a. Oui. Roman nous a il ça a fait que le marché qui... européen s'est intéressé à nous avant le, le marché québécois, la vérité, être franc. Mais ça, ça l'a aidé, justement. Euh, minuit, ça l'a aidé Ça a, ça a tout propulsé, changé, je dirais, Ça a tout changé. Ah ouais. Hein. Ouais, ouais, c'est le projet, quand même, phare. Hein, c'était fou. Ça, c'est durant la pandémie que ouais. ça a commencé La première pandémie. c'est un projet fichnet aussi. Waouh c'était fou ça c'est une passe comme ça d'un ami d'un frérot et tout c'est fou c est, c est, c est Mais lui fable. était stock on a fait ici beaucoup quand ça, même hein? 39 Yo. on a pas fait 40 pour quarantaine on a fait 39 quoi. faire parler les gens juste pour <rire> dire <rire> oui, juste pour dire exact tu te demandais là c'était pour ça est-ce que, est que, est que ce rythme de travail là vous a comment dire appris des nouvelles choses façon de dire de comme quand même faire 39 épisodes là c'est c'est do it yourself ça nous a appris qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche sur ton web. C'est-à-dire faut que tu sois que soit constant. faut que rapide. Ouais. Je pense que la clé, c'est ça, man, la constance. Yeah. Puis il faut être drôle. Ben ouais. Euh, Et justement. surtout, il <laughs> faut pas juste être constant pour être constant. <rire> <rire> ça, vrai, Dans votre game, 100%. Mais en, en parlant de ça, est-ce que tu es toujours ou vous êtes toujours à la recherche de nouveaux talents ou vous êtes maintenant comme. 100%. On a notre team, on, on travaille sur notre team, ou comment ça marche? Parce que, dans la musique, exemple, un label va te dire OK, j'ai plus de place, il faut voilà. que je produise tel album, tel album, tel album. Mais dans votre cas, c'est un peu différent. Mais nous, on produit vois, des shows. Ouais, on produit des shows et tout. Mais tu vois, nous, tout part du fait qu'on s'aime beaucoup. Puis on, on aime chill ensemble, tu comprends? Donc, c'était presque tout ça. C'était juste une excuse pour chill. Fait que, <laughs> comme souvent, on recrute comme ça. Comme le talent, c'est la moindre des choses. Ouais. C'est fit. C'est est-ce que tu fais ou pas? Ouais. Puis il puis faut être dévouement, for real. Comme moi, ce que j'aime le plus de nos gars qui, qui work avec nous. Puis ce qui est un dévouement, puis des valeurs comme... C'est des vrais... Faut que des, tu rides pour l'équipe. Tu, tu rides pour toi-même, ouais. tu rides pour ta famille, tu rides pour, 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 pour tes valeurs, tu comprends ouais, Comme Erickson ou Mi Benson, c'est des gars qu'on qu se voit en eux, puis qu'ils se voient en nous, tu vois c Très dope Comme, yo, moi, c'est mon hôte, je suis fier de mon hôte. <laughs> ma mère, c'est ma mère, nanana. Yo, c'est moi le plus drôle, cette confiance-là. de ouais. Tout ça, c'est... C'est important là. C'est pas... ouais, ça. C'est comme homogène, you know. C'est comme dans le base. quartier quand tu, tu joues au, au foot avec des gars. c'est Les gars qui voulaient plus jouer au foot. que si moi je me fous, je rentre plus tard pour jouer au foot. C'est vouloir là. Non, mais c'est vrai. Puis on... ça, c'est un peu de l'engagement. Puis pendant, par exemple, la, la pandémie et tout, vous faisiez beaucoup de vidéos. Même tu prenais juste le téléphone, tu parlais, tu ouais. disais. Euh... Ouais. même durant les séries, les Canadiens. Mm. C'était trop dope. So, so, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Parce que c'est un format hyper simple. Hein, tu prends ton téléphone, ouais. tu parles. Bon, je... Je... Moi, j'en avais parlé à Anna. Je dis, bon, je, je veux parler comme ça. Parce que, je veux des trucs. C'était occupation double. Le premier truc que j'ai niaisé. Puis à Mané, bon, on est dans une... Je pense ça, fait... ça c'est la deuxième pandémie. On est dans un, peut-être deux semaines. Hein. On est là, on chill, on réfléchit à des trucs. C'est très difficile d'écrire parce qu'on ne joue pas. Tu vois ouais. Là, tu as le besoin de faire rire. Tu fais rire ton bois, premier jour tu fais rire ton bois, tu... deuxième jour tu fais rire ton boy. tu dis ah, mon frérot, il faut que je fasse rire d'autres gens, tu vois. Ouais. <rire> Je <laughs> t'aime bien là, mais... Il m'a dit, on bah, va, un... va faire ça, ou je sais pas, essaye. Anas yeah. m'a dit, essaye, bro, tu vois. Père toujours je me suis réveillé comme à 5h le matin, parce que j'étais sur-reposé, là. il n'y avait tellement rien à faire. Ah, ouais, ben. <laughs> on faisait que dormir. Tout le monde était Puis oh, J'ai parlé à ma caméra, l'annas là, 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 là. Je... se réveillait un peu plus tard. Je dis, oh, non, c'est ça, dit, oh, c'est drôle, je montre à LP, c'est drôle. Il me vas-y, le... Puis oh, la réaction, les gens kiffent, nanana. Là, c'est devenu, oh, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut niaiser. Puis à partir de là, on faisait des blagues. C'est super C'est tout même. Ouais. C'est super dope. T'sais, puis là, en parlant de, de, de ça, au format stand-up, je sais que vous avez dans, dans le même festival que vous avez le show, le, le 23, vous faites des one-man shows aussi, yeah, right? On fait des Chacun fait des une heure. Oh. Quand, quand vous présentez un show d'une heure, T'sais, à votre niveau, vous avez vous avez de l'expérience. Comme combien c'est freestyle, combien c'est écrit. C'est une accumulation de plein de petites bits ou c'est comme how, how does it work Yo, comme euh, là on a on pas fait... trop pour rentrer dans euh, la non, science mais, mais, là. Madame, on, je, on, on parle, euh, je suis curieux. Nous regarde, comment on a travaillé un peu cette année, on a fait deux 30 minutes différents à chaque Olympia. Ok. Tu que ce qui fait une heure de stock. Ouais. Après, il y a l'excédent de. Ce que, écris ou ce que tu écris, oh, ça change par bloc, tu vois Ah, ce numéro-là, il est plus faible que les autres, que je mette celui-là. C'est comme un, un artiste de, de rap qui enregistre plein de beats, puis il dit, ah ben, bah, je vais mettre les 8 meilleurs ou les 10 ouais. meilleurs dans l'album. C'est ça. Il y en a qui sautent, il y en a qui viennent. Puis sur un show, bro, bah, le freestyle, c'est toujours agréable, mais il, il faut, être, faut être vraiment préparé pour que tu te dises, si ça marche pas l'improvisation... « Vas-y, je le... rentre dans mon numéro. Mmh. » Non, euh, mais c'est ça, mais parce que je t'ai vu... tu avec le public. Quand tu sais, d'improviser euh, comme quelqu'un qui commence à rire ou quelqu'un qui commence à parler, mmh. c'est un peu ça aussi, un peu de l'improvisation. Ben oui, mais Jay, il fait ça, c'est un host. That's it. Qui yeah, connaît, pas il pas connaît la donne. <laughs> non, mais tu sais, je te demande ces genres de questions-là, parce que je t'ai vu, cette semaine, il y avait un show, shout-out au uh, Lebanese Hockey yeah. Federation, yeah. tout le monde qui Merci était là, tous les, les humoristes qui étaient là. Tu sais, justement, j'étais là dans le backstage. Puis moi, j'observais, tu sais, j'étais comme, ok, c'est pretty much like a rapper, là, tu sais, comme, t'es là. Mais l'aisance que tu as quand tu montes sur la scène, tu es tellement confortable, comme on dirait, une fois que le public te voit tellement à l'aise, qu'on dirait, Ah, you can just say whatever, là, puis on voit ouais. juste vibe avec toi, là, tu sais. C'est vrai, vraiment surtout quand le public il te donne du love et tout, c'est nice, là, comme moment veut, veut pas, c'est incroyable. Être... Euh, quand il y a une vibe et tout, ça sent ces choses-là. Tout le monde sent ça quand tu es dans un festival, puis il y a plein de monde qui danse avec toi. Tu comme dans les, un vibe. Fait que... Les premiers shows après la pandémie, ça devait être fou, là. Bon, bah, ça, si tu veux voir l'anecdote, Ils ah ont joué devant combien de gens après la pandémie <laughs> 12. 13 personnes. Hein? <laughs> Sérieux C'était ça, le sold out Ok, oh. quand <laughs> moitié, Dans une salle de 100 euh... personnes, tu avais le droit à... Un Public par deux mètres, oh, tu te rappelles difficile. pas? Ça, c'était des masques, puis tout. Ouais, masque, tout. Euh, ok, ça, c'est bizarre. Tout one. Ouais. <laughs> ok, mais ça, c'est ouais. Oh non! Mais c'était cool quand même parce que tu reviens, tu es boosté, t'as fait plein de vidéos, puis tu fais des soldats, hein, à coup de 12 personnes, tu soldat. Ah, <laughs> Moi, puis Damson, c'était le même combat. Non, <laughs> non, tu, vois, tu, vois, <laughs> tu vois même pas les réactions, ils ont des masques, là. Like, Comment, man? Rêve, les gens sortaient de là, puis on, on capotait parce que les gens disaient Yo, man, c'était incroyable, comme je vous remercie beaucoup. Mais comme, on a rien ressenti, les gars. C'est ça qui est fucked up. <coughs> non, mais c'est pour ça que je dis, comme exemple, l'Olympia que vous avez fait en décembre, ça, ça doit être spécial là, oh, de fou. voir tu sais, un public. là, je pense plus qu'il y avait de restrictions, il n'y avait plus rien. Non, il n'y avait, ben, avait pas de restrictions, c'était sold out, sold out. C'est ah. ça, c'est ce que je veux dire, le, le, le 16 décembre, c'était la fois où on a encore fait un show, on a fait le 17-18 avec Roman Le lendemain, on est retombé en pandémie. Yes. C'était fou. C'est ah, vrai, oui. Bah, vous, je, je me disais, comme, ah, ils sont chanceux, eux, ils ont passé juste. Direct. Uh, trop. Crazy. Ouais vous avez fait une vidéo euh, le rappeur de montréal yes classique yeah ça, ça a été quoi les retours là-dessus beaucoup de facts facts c'est Qu qu'est-ce qui vous avez poussé à, tu à tu faire ça il Y a-tu des les, les rappeurs non. qui ont dit comme yo, tu parlais tu de moi, <laughs> yo, bro Y a-tu eu de non <laughs> ça Non. Tout le monde l'a super bien reçu. Ça, tous ça, les rappeurs ont <laughs> partagé. Ja, la communauté comédie C'est votre fouteur de cœur. Nous, on a ce rapport-là, un peu avec les rappeurs et tout, c'est ils savent qu'on a leur code, qu'on est comme au show, tu là, comme eux ils nous liaisent aussi là. C'est malade. C'est qui qui a parti ça C'est comment vous étiez comme ça ou c'est un pote rappeur que vous avez vu qui vous a inspiré Qu'est-ce que non, 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 seulement il y avait ce flash-là, il voulait qu'on le fasse. Je faisais une blague. Ouais. Il faisait une blague où ouais. ou ce qu'il disait. Quand tu me payes content, je te ouais. paye content. Je te <laughs> comme, bro, comment tu veux que je te dise que t'es incroyable quand tu dis ce verse-là Puis Anas, bro, le personnage du rappeur, nous, on, on le vit comme au moins 3 heures par jour, tous les jours. Tu <rire> <rire> il, il se promène, il dit, ah, bro, depuis que je suis sorti de la, du jazz, comme quoi, il y a toujours oh, ce. Ouais. Enfin, on a meugé les. C'est trop drôle. Ah, puis même le skit, toute la team est toute dedans. Puis, again, tu sais, je trouve ça vraiment, vraiment ouais, nice. C'est vraiment drôle. C'est fou comment... Un... Charles, il est juste ouais. assis dans le background là, derrière toi. Mon assistant, là. Ouais. Ouais. <laughs> c'est <juste>, <laughs> drôle parce que des fois, c'est ça, les dynamiques de rap. Il y a toujours la, la, oh, ouais. le stagiaire qui n'est ouais. pas de l'univers <laughs> de rap. <laughs> mais mm. qui est super passionné. Classique. En parlant d'univers, est-ce que vous serez capable d'essayer de... Essayer de... Faire euh, un film à un moment donné, c'est quoi vous vous embis... Est-ce que c'est parce que. Ouais, c'est quoi le but ultime? C'est-tu genre, exemple, moi, c est, c est, je veux arriver à produire ma série ou faire un film ou être acteur dans des films ou, tu sais, juste continuer le stand-up. C'est vraiment le stand-up. Le but ultime, ultime c'est de continuer à travailler ensemble dans la joie, la bonne humeur. 100 <laughs> oui, oui. Ça, c'est vraiment ultime, mais ouais. par ça, bon, on veut tout faire, mais On veut. Euh, là à Total, faire ouais. des shows exceptionnels, faire des films qui vont toucher les gens, jouer dans des séries. Man, ok, fait que tout ça, c est, c est, vous êtes ouvert ouais, tout, à toutes tout ces choses-là. Tous ces bails-là, c'est comme des médias, tu vois, pour nous, c'est ouais. comme, euh, comme on diffuser Mais l'objectif, for real, for real, pour l'instant, c'est faire rire le plus de Québécois Exactement. possible. tu comprends. Ça, c'est vrai défi. C'est chez nous ici, beau. 100%, même. On se gèle, on se fait froid. <laughs> L'hiver... Euh... <laughs> c'est quel humoriste québécois qui vous a le plus... Rire. on a plein bon. le yeah. on est solide quand même ici au Québec on est yeah. on est mais le mort. classique disant le premier le premier prom... premier Maurice québécois que vous avez vu qui vous a fait dire hey, ouais, les moi, québécois avant... les québécois sont drôles moi avant que Rachid arrive et tout euh, j'écoutais beaucoup de Laurent Paquin Cathy Gauthier j'écoutais en fait j'écoutais ah, ouais, hein? Ah, oui, ça passait à. Vous avez à la Oui, je me rappelle d'autant. grands rires bleus et tout ça, là. Ça, bro. C'était bête ça, docteur. Ah, oui, bro. Ouais, bon. Moi, quand j'étais jeune, j'avais rien à foutre. Mes parents, ils me laissaient pas sortir parce qu'on était dans le nord. Fait que. Ouais, ils l'ont trop belle. J'en à eux. Thanks for that, by the way. T'as fait ce que goût, Moi, que je faisais, bro. Je m'installais devant l'ordinateur, puis je tapais blague.com. Ou alors oh. blague sur Google. Blague, oui. Okay, ouais. Blague, blague raciste. Humour, <laughs> ouais ouais, ouais, ouais. Ça, ça c'est jeune, là. OK, parce que moi, t'as vu... Je <laughs> tape blague avant Pornhub. C'est fou, ouais. c'est quand même fou. Dedication. <laughs> Dedication. Ouais, for real. Non, mais moi, t'as vu, l'humour ici... Louis-José Louis Louis Hood, yes Mais pas, tu sais, aller checker toutes ces shows-là, mais comme Catch My Eye kind of thing. Rachid, Plus, Sugar Sammy. Puis là, maintenant, comme à Marlin, avec des gars comme vous, puis ben le oui. la le puis les gars que je découvre, les Emile Coury, les Renzel, tout le monde qui est dans ce genre Ah Adib, Adib t'as vu le dernier yeah. show de Oui, ben j'ai pas vu le dernier va show. On va voir mais... le dernier, c'est de la folie parce que c'est une discipline. C'est à... ça, c'est comme quand tu te mets à écouter des films, euh, pas d'auteur et tout, mais toi tu commences à écouter des trailers. Tu là, tu commences à avoir les repères d'un trailer, comment tu fais les tout, puis oh, ben, là, t'es comme yo. Je veux situer le là. Puis à un moment donné, tu deviens presque... Genre, t'écoute plus le mes main... là t'écoutes des trucs. Non, mais c'est comme la musique, bro. Ça je se me... développe, ouais. Je me retrouve à écouter beaucoup de musique d'ici que des fois, je suis comme « Damn, OK, laisse-moi écouter un peu de Qu ce qui se passe au stage, un peu. » Parce que je suis tellement... Puis même dans la comédie maintenant, comme je veux plus checker vos skits que les, les grands que je follow. Pas pour dire... Oui, oui. Tu sais, mais juste... Je sais pas, même on dirait c'est ça qui nous... qui nous rejoint le plus en ce moment. Mmh, tu sais, ouais. Il y a tellement un wave qui se passe là en ce moment à Montréal, c'est fou, man. C'est cool, euh, ouais, c'est nice. Moi, j'aime ça, ça c'est fou ce que tu dis, parce que j'aime ça m'attacher, moi, à voir quelqu'un faire une discipline. Tu vois, comme un athlète, maintenant, là, comme tout le monde suit Mbappé, parce qu'est-ce qu qu'un Mbappé va faire mmh, est -ce il, va, vois, va, il va jouer au quête, il rendu. Maintenant, il fait les free kicks et tout. C'est nice de voir. ce euh, moment moi, moi je sais pas pourquoi. Moi, Adib, maintenant, j'aime beaucoup ces trucs, tu vois. Je file, le voir c'est chaud et tout ça, c'est quelqu'un qui m'intéresse, parce que je, 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 je le vois faire son grind et tout ça. Parce que ce, Jacob, et ça Emil, album. Jacob et Emile. Jacob et Emile aussi, ouais. je les suis comme ouais. Mac. Il dit Mac, bien sûr. Jean-Michel Elie. C'est <coughs> <coughs> des gars, que, 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 c'est des artistes. que Erika Suarez, il y en a plein. Euh, Michel Desrochers, c'est des gens que tu suis. Comme, euh, pour moi, c'est comme une équipe de hockey, ou mm. Pour moi, l'industrie d'humour, c'est la Champions League. Je suis même Valence, frère. Je veux juste voir qu'est-ce que Valence va faire cette année. Qu'est-ce que. C'est cool, c'est le fun. Mais, mais tu sais, quand on parle des, des noms comme Rachid, puis même des. des... Je connais pas vraiment toute la, la scène comme ça, mais tu sais, disons des Martin Matt, yeah. des, des des populaires euh, des humoristes populaires au Québec. Eux, ils doivent voir quest ce qui se passe là avec la gang Fishnet. Ils doivent être au courant de. Non Vous n'avez ben pas oui, des, des... Ben oui, C'est sûr, là. On prend anybody in the game, ils voient quelqu'un qui fait du bruit. Comme que je disais tantôt, l'affaire de 514, la comparaison. Ouais. You guys are doing numbers, vous remplissez des salles, vous travaillez, vous êtes toutes quelque part. Euh, c'est tous les jours de la semaine on dirait qu'il y a quelqu'un de vous qui fait un show quelque part là le so, I mean, grind y est là fait que je me demande comment que ces humoristes là vous vous reçoivent, vous, vous réagissez à, à des humoristes euh, comme c'est vraiment un petit milieu fait qu'on finit tous par se croiser ou alors... le props, on se croise ouais, au bordel il bien joué les gars pour ce que vous faites ouais. c'est super fou ce que vous faites on a le truc mais as même pas on n'a pas le temps de genre comme c'est super cool puis ça fait plaisir un peu tu vois mm -hmm. le, le le respect de tes pères, ouais. mais bon, on doit faire rire le hood, puis les gens du hood, puis tout. Vous savez comment c'est plus dur vous faire rire vous que les Québécois vous, <laughs> ou, les, ouais. euh, ou les gens de sous. Je pas dire les blancs. Il <laughs> y a un esprit très critique de notre communauté. De yo, ah non, ça c'est trop sauce. Ah. Ouais, ouais, ouais. Parce que tout le monde est comique dans le hood. C'est vrai. Pour exceller dans le hood là. C'est ça. Moi, je suis plus drôle que lui. Ah, ah ouais. bah bon, tu... le hood, combien de partenaires Mon dire. cousin sur le coin il est plus drôle. Bah, oui, euh, bah, bah, ouais. frérot, j'ai des amis. Combien de partenaires en passant, je peux faire ce que tu fais. Avec mon frère avec plaisir, je te laisse 5 minutes. Est, on a une culture de la blague ouais, dans, dans l'aile, tu vois Ça, c'est vrai. Et ça, c'est grosse fierté, gros shout-out à tous les, les comiques de l'aile et tout ça. Mais ouais. c'est aussi, aussi un hustle. Est-ce que, sans rentrer trop dans les est-ce que c'est facile de vivre de l'humour ici au Québec Puis même, des fois, ça doit être aussi spécial de, de, de se faire reconnaître dans le street. Ouais. C'est train... super dur. Ben, en fait... Ouais, C'est super dur. <laughs> vie... En ce moment, avec la restriction et tout, c'est facile de vivre de ouais. rien. Avec le prix <laughs> du gaz et tout. Ouais, ça, mais moi, nice. -ce, ce que je veux en venir, c'est que sûrement que vous êtes des, vous êtes des Montréalais, donc sûrement quand vous reconnaît, vous devez être en. Oui, Vous, oui. vous devez être dehors. C'est comment de, de vivre avec les gens qui vous reconnaissent dehors C'est nice. C'est le nice. love, man. C'est trop chill pour les, les hood gens. stars. Alors, en même temps, ça rend humble, bro, parce que les gens, ils ne le voient pas parce qu'on est jeune et tout, mais. Alhamdoullah, mais. Bro, quand on a commencé à se faire reconnaître ça faisait déjà 10 ans qu'on faisait ça ouais. c'est ça man. mais les gens maintenant c'est comme tu sais nous on n'a jamais comme yo bro t'es fucking drôle tu... on n'a jamais est... On, est... on a souvent le gros y a les gars vous dédaient ce que vous faites ouais. tu comprends il y a bien un gros support, respect de... De... Ouais. du total et, et c'est là où notre dévouement peut... on essaie d'être focus puis et tout ça c'est comme si des fois c'est là que tu te rends compte qu'il y a vraiment des gens qui regardent qui, ouais, 100%. qui suivent l'histoire qu et qu ils histoire, qu ils savent qui savent qu'ils sont là, qu'ils sont au courant, qui, ouais. tu, qui te reviennent sur un truc, t'es comme oh shit, ça ils... c'est incroyable. Ben, je pense quand que quand vous bougez comme ça en Indé, comme justement, je pense qu'il y a un attachement différent avec vos fans. Ça devient plus un cult following parce que c'est comme ils vivent votre succès avec vous. C'est ce que je veux dire. C'est comme. Je sais pas, quand c'est du monde qui vous suit depuis longtemps, quand qu ils vous voient atteindre des, des, des nouveaux plateaux. Ils sont comme, yo, man. Comme exact, tu dis, c'est bah... pas juste, t'es drôle. Bah c'est oui. comme, yo, on est avec toi, man. Keep going. Est ça, on est, ça, est là, c'était fou, les gars. Vous êtes continués à faire ça. Tu comprends? C'est quoi, quoi le prochain move? ouais mais ça, c'est des, 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 des supporters qui, qui, valent, euh, qui en valent 10. C'est ce comme, c'est vont... ta famille, ça. C'est ouais. juste ça. En parlant de famille, comment que, quand vous étiez jeune puis vous rentrez dans cette game-là, tu sais, et moi, je veux faire de l'humour. Euh, »« Pas, je veux faire de l'humour. »« Moi, c'est ça que je fais de ma vie. » Comme tu penses, bro. Ouais. <laughs> comme tu <laughs> t'imagines. <laughs> okay. est-ce que vous avez tout? Exactement vous... <laughs> comme ça. <laughs> Mais, euh, comment dire? Est Il y avait-tu des chahattas, genre? <laughs> dans, quel dans la famille, tu as le patné qui est toujours drôle. Tu sais, non, moment pas moment du tout. Ouais, non, bon, En tout cas, je ne pas parlé pour moi, bro. Mes parents, hein, je ne pense pas qu'ils savaient parce que... Tu comprends, mon père travaille fucking 25 heures par jour, so je, je le croise <laughs> environ une demi-heure par année. Ouais. <laughs> ma mère était infirmière, ce qui est là dans ce temps-là, so ça veut dire burn-out sur so burn-out. Quand tes parents sont en train de struggle comme ça devant toi, là, mon père m'a dit, <laughs> Mané, mon père m'a dit, M'a dit le salaire qu'ils faisait, lui et puis ma mère, ensemble. là, aujourd'hui, c'est plus comme ça, <laughs> j'ai eu le vertige, là. Quand tu, vois tes parents, quand tu vois tes parents struggle comme ça et tout, oh, pas hâte de leur dire que sont en train de faire tout ça pour que j'aille à l'école de l'humour. La, la, bah la, la carte de dîner, vous vous rappelez la carte qui donnaient euh, euh, à l'école que Pour les enfants de familles issues de, okay, de, de oh, pauvreté ouais. <laughs> C'est un truc où tu, tu, tu remplis des papiers puis ils te donnent comme une carte pour manger à la carte. Eh, tu ça. manges gratuitement à l'école. Puis bon, ça fait mal pour bon, manger gratuitement, tu comprends fait que Moi j'ai un petit égo, je dis à mes parents Ah non, je veux pas la carte et tout, tout ça. <laughs> vas -y, vas -y, vas -y. Je t'expliquer à quel point on est pauvre, à quel point t'as besoin de la carte. <laughs> tu vas prendre la carte. Ah ouais, pas... ouais, la carte. Wow. Charotte à la cafétéria d'HB, les meilleurs paninis de la planète. <rire> <rire> non, mais c'est dope, c'est dope de voir le, le, le chemin que vous avez fait, même puis de, de... Puis j'imagine qu'aujourd'hui les parents doivent être fiers maintenant là, de voir qu'est-ce que vous faites. Qui viennent voir les spectacles Le 16, ils étaient là. Ah, Ma oui, mère était putain, là. Moi, je... Les blagues, des fois, c'est comment c'est Dax. Là, on est dangereux déjà de, de départ. Yo, les gars, j'ai vu, j'étais là, j'ai vu les choses. Euh, ouais. C'est incroyable. C'est comment Ouais. C'est. Ah, oh, ma mère, est prie pour moi. <laughs> enfin, elle essaie de <laughs> rapporter mon salut, mon père aussi. <laughs> <le> ciel. <laughs> ça te me fait rentrer sur une guerre au paradis. <laughs> <laughs> C'est <c> <laughs> chaud, man. En tout cas. Et là, nos, nos parents nous ont déjà vu, lui, ses parents nous avaient vus dans un autre show, Extremis, euh, à la salle, à une salle, place des arts, bref, quelque chose comme ça, ah, Moi, bon. on était ah, proche. numéro devant mes parents place des arts, à faire du pénis. Oh, wow. Ah, ah oui. ouais, ah ouais, ah je... ouais, wow. <laughs> ah, alors moi je lead là-dedans quand même. Ouais, moi, ah, je... mais, oh, moi aussi, quand ma, ah, ouais, mais quand ma mère était là, j'ai fait le pénis. Le pénis. <laughs> oh, là, 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 là. Et nous, la culture, tu connais la culture ah, arabe, ouais. c'est que. On a, on a AIB qui veut dire déplacé, qui veut dire chouma ». c'est gênant, on ne parle pas de ces choses-là. <laughs> Puis nous, <laughs> ce mot-là, ça décrit notre style de vie. C'est ça ouais, c'est <laughs> pour ça que je demande. Sans parce être bêtise, sais... c'est juste AIB, nous, on est dans, dans AIB shit, tu you know? Oui, mais même... Okay. <laughs> AIB shit. OK, mais même si c'est AIB, exemple, <laughs> oui. ça marche, right? Ils voient que ça marche. Non, oh, que... Parce qu'on a aussi ce truc-là, nous, que, en fait, les mots, les mots sont un peu grivois mais le message il est, il est très nice tu sais oui. on, ouais, exact. on n'a pas un message mauvais ou alors un exact. message vulgaire tu sais fait que, comme je pense que ça aide la pilule à passer. comme moi ma mère quand elle, elle est venue me voir et lui ses parents étaient super fiers après ouais. la place des arts un de ses premiers numéros moi quand ma mère était là euh, après, je l'ai un peu soudoyé, là. j'ai demandé à l'Olympia de se lever pour elle. Là. Ah, ok, ouais. voilà. Ça smooth. Il y a Ça smooth une la jour. situation. Je suis à la fin ce truc-là, mais ils <laughs> n'arrêtent pas de me dire Ah, c'est quoi que tu passes Je suis comme Non, nah, non. Nah. <laughs> <laughs> On va attendre qu'on fasse un autre show mieux. <laughs> mais je pense que dans tous les cas, c'est le, pas grave les mauvais mots là, quand t'es ton fils. Puis justement, t'as ce jeu mmh. tout ce qu'on raconte, et puis même beaucoup plus. Ouais. Wow on est choyé aussi pour être on a ouais. la vérité les parents d'Anas mais mes parents for real c'est des parents cool quand même mm -hmm. ouais. c'est des gens ouais. est pas, on est des gros chillers moi et Annes, parce qu'on vient sur de monde quelque part ouais. <laughs> ouais, mais en fait ce qui c'est comme on dit que les parents ne veulent pas que tu sois humoriste, c'est faux. Tout le monde veut un fils humoriste. Mm -hmm. Un fils humoriste qui, qui fonctionne. Mm -hmm. <laughs> tu comprends ouais. <laughs> L'enfant, ils veulent que tu aies du succès, n'importe ouais, quoi. C'est pour ça que ouais. personne ne veut que tu sois humoriste. Ils veulent que humoriste. tu comprennes le struggle. Hein. Mm -hmm. C'est ça que mes parents ont pas arrêté. Une fois qu'on a entamé, ils ont dit Allez, let's go, on prie pour vous tous les soirs. Ouais. Tu comprends ouais. Mais au début, ton fils a 12, 13 ans et dit Je vais être humoriste. Toi, tu dis Il ne sait pas le struggle. Ouais. Ouais. Il ouais. Eux, il ils savent avoir, mieux que toi. Ils peuvent vivre un peu de racisme ou un peu d'incompréhension ou même beaucoup en travaillant au, euh, au Provigo. Ah. Au Provigo, on leur fait son tour, <laughs> on n'est pas égaux. Ils se disent, mes enfants, s'ils vont dans l'art, là, à, la à télé quel point hein, ouais. Tu la réalises comment ça va être décuplé mmh. Le meilleur outil que tu fais à un enfant, c'est que tu lui dis non, non, non. Et s'il le veut tellement, alors il est fait pour ce milieu, ouais. tu comprends Fax. Mais dis-lui pas oui, là. Mmh. Mmh. <laughs> là nous, si, moi, tes parents, si tes parents voulaient déjà que tu sois humoriste quand tu leur as dit... Grande chance que tu sois pas. Non, je Après, elle m'a dit non, 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 non. Elle me disait non pour secondaire en spectacle. Pas secondaire en spectacle. Oh. Ben elle allait m'acheter quand même la chemise à l'aubénerie, tu comprends <laughs> C'est ça ouais, qui ouais, est fou. Ouais, ouais. C'est non, non, non. Parce que la veille du show, veulent, mais à la fin ouais. la veille du show, À la fin du show, quand même ouais. le petit, Le hook. Nos parents, après, ils nous. Ils il... il nous. Ils ne savent même pas comment eux-mêmes, mais ils nous, ils nous formatent pour. Ouais. Ouais. De, ils nous pompent d'ambition, d'ambition, d'ambition. On, on, on a des parents très classe, très nobles et tout. Ouais. C'est des parents pleins de répartie. C'est -ce ouais. des... de la rhétorique. Fait qu'on était jeune... Ouais. Mais Est-ce est que, est des... <laughs> 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 est que vous avez des parents artistiques Est-ce que moindrement vous avez un membre de la famille qui. Peut-être que la mom's peut dire. Elle a peut-être fait du chant ou de l'art la, ou quoi que ce soit. Puis peut-être que dans son fils, ça peut dire. Je comprends un peu la, la flemme. Art... Parce qu'elle valorise ce milieu-là. c'est La mère d'Anas, maintenant, elle lui envoie des vidéos. J'ai vu ça, ça c'est bon. Ouais, ouais, comme ouais, ça. Ouais. Mon, mon, mon père, c'est quelqu'un qui gribouille un peu la feuille, qui écrit tout ça. mais ah, ok. Mais ouais. Mais, ouais. Mais tu nous connais, on est des Maghrébins, tout ça. On, on adore les films égyptiens. Ça c'est culturel chez nous, les, les séries De libanaises, les séries turques. Yeah. Euh, on, on, Ramadan, on se réunit devant la télé, on écoute des trucs. On aime être diverti. Surtout on vient de pays où c'est pas c'est pas l'alcool ou le grand nightlife et tout ça. Fait que c'est un verre de thé puis une bonne émission d'humour, tu vois. Mmh. On est formaté là-dessus, ben oui. des bons vibes la famille. Non, c'est ça, man, c'est dope. Vous avez parlé tout à l'heure de struggle. Mmh. C'est quand que vous l'avez senti ce struggle a tout le long. Ah ouais. Même maintenant, le struggle n'est pas passé. alhamdulillah. On, oui. on est passé à travers tout ça puis on va continuer mmh. de le faire. Mais. Est-ce qu'à un moment donné vous avez dit ah. Ouais. Ouais. ouais oui. Plusieurs moments donnés. Tu nous <laughs> entrapes dans un moment où on se dit Ah. <laughs> ah putain. J'aurais dû on... être ingénieur. Bah ben oui. Ce bon, dit, bon, genre. Ça, 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 ça c'est l'appel travaillé... du matin, ça. Oh, putain, ouais. je... <laughs> Pourquoi on n'a pas fait l'école Pourquoi <laughs> on n'a pas fait l'école bon. C'est l'appel du matin. On a traversé quand tellement de murs, puis tellement de fois où est-ce que ça, ça semblait terminé que là, en ce moment, comme on, on est départagé parce qu'on n'arrive pas à croire qu'est-ce qui est en train de nous arriver. Et on est en burn-out. <laughs> Toute l'équipe, lui <laughs> et moi et tout, ça fait... brûler est brûlés, On est 100 brûlés. Mais tu sais ça, je que... me dis, vous faites des shows comme all the time. Vous avez un show après ici. Vous avez tout le temps des shows, right? Ouais. Toute l'équipe. Comment c'est de gérer mm -hmm. comme l'horaire, puis tu sais, la vie personnelle, et de balancer ces affaires-là? Parce qu'un moment donné, man, tu... Nous, comme le tu... seul endroit où est-ce qu'on a, un petit peu de contrôle, c'est devant une caméra ou alors sur scène. Ouais. Fait que là, toutes ces affaires-là qui nous sont balancées, puis tout le social, puis gérer, puis là maintenant, il faut savoir gérer l'argent, puis là maintenant, il faut... On est en train de construire un empire de l'humour, Hamdoula, mais bon, on ne va pas faire comme si on gérait... Bien, 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 c'est-à-dire... On fait ce qu'il faut, puis comme on tient le bateau et tout, mais... Puis au bout, sortir des trucs drôles, puis bon, puis tout ça, c'est un vrai panique. Jamais t'es comme... Moi, j'ai toujours le bordel dans ma tête parce que je me dis, qu'est-ce que je vais dire aux gens, que les gens vont se dire putain, c'est con ça ou c'est drôle. Ouais. Euh, ah merde, c'est vrai qu'on est tous comme ça. Ouais. Ce, ce vibe très rassembleur, très drôle, très yeah. très léger, très bon vibe, c'est euh, Même à un moment donné, ça devient besoin presque pour les gens. C'est comme, peut-être, tu essaies de prendre une pause, puis les gens ils viennent et t'écrivent, ils disent yo, t'es rendu où, yo? yo. Pendant le canadien, yo bro, t'as pas une vidéo, je dis <laughs> je sais pas quoi dire ce gars <laughs> <canard>. là <laughs> Tu vas encore jeter sur oh, Carrie Price, viens t'es mon frérot. Ah <laughs> oh, mais tu l'as dû. Ouais, ça je l'ai fait. Puis, puis après les gens ont raison, mmh. parce qu'on arrête un peu, puis on fait les stars. Ah on... oh, putain, je fatigue tout ça. Est-ce que, peu, Est ça, que de ça, devient, ça devient, plus facile d'écrire des jokes avec le temps euh... tu sais genre parce qu'un rappeur, un MC qui écrit à tous les jours, un moment donné ouais. au jour sans, si on veut, s'il sort. Ça devient pas plus facile. Nous, on devient meilleur. Mais ça continue en tout cas. Moi je trouve comme c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de cassage de tête. Tu comprends? Genre, ça l'arrive-tu, ça, ça exemple? Yo, j'ai écrit ces cinq minutes comme ça, ou c'est toujours. Ouais, non. ça arrive, mais est parce que le travail artistique, il est, il est fucked up. Parce que l'humain oublie vite, tu travailles une idée, tu travailles une idée, tu travailles une idée. Souvent, surtout si au début de ta carrière, l'idée ne va pas fonctionner. Fait que là, comme tu vas te dire, fuck c'est peut-être pas drôle alors que la raison pour laquelle ça fonctionne pas c'est pas clair mais toi pour que la en présentation en... genre ouais toi pour en tant qu'humoriste tu puisses regarder ton matériel du point de vue du public ouais. ça prend des années tu comprends fait que souvent nous ce qu'on fait c'est comme on travaille une idée on travaille une idée ça fonctionne pas tu la jettes mais elle s'en va dans le bac de ta tête dans ton subconscient tu ouais. t'en souviens pas tu comprends et if it's good ça va revenir genre ça va revenir tu comprends puis là comme je sais pas moi peut-être dix ans après ça nous arrive là des idées vieilles Come de je te jure bro des idées ah, vieilles ouais. de sept ans puis là comme yo j'ai écrit ce dix minutes là fucking l'après-midi bro je réalise pas mais non ce que tu réalises pas c'est que ça fait des années tu que, que t'es en train de travailler là-dessus tu oh, comprends crazy est-ce que tu vois tu sais comme des MC des fois là ils devinent tu sais genre M&M là ils voient des des mots là puis ils pensent à des rimes tout le temps est-ce que tu quand vous êtes dans des situations là ça vous vous translatez ça as jokes dans ouais. vos têtes tout le temps il y a des moments bro, comme, ouais. ben, comme ça ça c'est les moments les plus fun c'est juste on chille moi puis Anas, tout le monde est en forme ça chille un peu c'est une bonne journée puis là ça commence à kicker des blagues ouais De, souvent nous entre nous la vérité c'est sur quelqu'un <laughs> <Mais> C'est <laughs> comment au niveau par exemple du ghost writing dans l'humour Disons, est-ce que c'est normal que quelqu'un écrive pour un autre Parce que souvent dans le rap, c'est souvent. Y a -il tu du ghostwriting C'est les secrets de Fishnet, les gars. <rire> 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 non, on n'a même pas de, secret, on a pas de secret, on n'a pas de secret, ouais, on n'a pas de secret. Parce qu'on a euh, toujours ouais, ouais. été trop. Euh, comme on tout le monde écrit toujours, sur tout le monde, bro. Tout le monde écrit sur tout le monde. Mais okay. comme... tu sais, comme dans le rap, comme dans l'humour, le ghostwriting, c'est un peu mal vu. Ma, euh, même même s'il n'y a pas de raison que ce soit mal vu. Parce qu'au final on veut tous faire le meilleur le produit possible. final c'est le produit final exact, Ah, ah ouais. je te vole ta joke c'est a toujours été comme ça dans le temps ouais, ça, exact ça, ça doit être quelque chose hein. je te jure ben, c'est autre chose c'est vrai mais nous on on a toujours on s'est toujours mis dans la situation pour genre Oussama, s'il était tout seul ce serait un humoriste exceptionnel il sait écrire tout seul ouais. puis on a tous bon, beaucoup d'ego ah oui. sort du hood là. fait comme mm. on a tous notre affaire on sait écrire des jokes nous mêmes c'est très important pour nous C'est super important aussi pour vraiment pour important pour le crew mais après Oh, quand tu te mets avec ton beau... » Et puis là, tu ah commences oui, à reconnaître, tout s'apprend. Quand as l'humilité de laisser quelqu'un en qui tu fais confiance t'écrire <tous> des jokes et tout, t'es fou. C'est des top-line. Des fois, quand on est le groupe ensemble, ouais. comme on se met ensemble, puis là, euh, subhanallah, ça devient fou. Là, c'est comme un dit euh, le setup l'autre sort le... Un dit prémisse, l'autre sort le setup puis l'autre sort le punch, live. Ouais. C'est vraiment meilleur que tu l'aurais fait si t'étais tout seul. Les vidéos, on travaille comme ça, tu comprends Il y en a un qui a son personnage, puis il y a si je suis derrière, puis « oh, dis ça, yo, dis ça, yo, dis ça », puis ouais. là, la caméra est ouais. là, puis, là, tu dis ça, puis là, ouais. il dit ça, puis… Il y a un, quand même… Mais, ouais, on, oui, on, quand, tu l'as dit là, je suis comme « Yo, ok, il y a une vraie confiance en, en, entre nous ». Ouais, là, ouais, là, ouais. ouais. C'est dope. dope je pense même. que ça, ça se build en, en travaillant ensemble à, à répétition. Ouais, ouais ton connaît, puis exact. ton beau euh, il te connaît. Exact. Donc, c'est pas, pas au niveau ouais. peut-être de garder le malheur, là. lui ça fait prendre à voler des… Ah, shit. C'est chaud. Ah ouais, c'est vrai. Non, non. Moi, si je, moi, si je zaque quelqu'un, c'est un asrop. Tu sais combien de fois je lui ai volé deux blagues devant lui Il n'y <laughs> a pas les moyens de me poursuivre, je vais pas les moyens de me poursuivre. <laughs> on est grues. On va le faire un après, on va en euh, parler. Là. Il, va, il va la faire dans trois shows, il va l'oublier, <laughs> je vais la reprendre. Non, mais on a une règle on a une règle non écrite, mais si tu show goal, puis ton ami, tu qui compte pas faire cette blague-là après on passe après toi. C'est chill. Tu ouais, peux ouais. Ouais. la prendre ah, okay. devant lui. C'est l'honneur familial dans ta les pour sauver l'honneur familial. comme des règles <rire> unwritten. Ah, ouais. ah, top. En vrai, on fait ça pour se niaiser dans les shows ouais. pas importants, mais sinon, euh, non. non. On a ouais, tous nos aussi. numéros et tout, mais mettons dans les bars. Je sais pas, t'es en train de tester un nouveau truc, un nouveau numéro ouais. qui est sur ouais. la cruz. Puis là, t'es comme cut. Ah, ben ok, lui, c'est deux blagues de Cruise Life. Une fois pour le faire chier, genre avant mais c'était vraiment à la blague ouais, là. Ouais. mais comme on était dans un show puis je sais qu'il voulait faire un de ses beats <laughs> puis comme moi pour le niaiser bah, j'ai fait son beat avant lui voilà tu comprends bien là ah le bâtard tu comprends non mais c'est dope ça, ça c'est des ouais, 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 between ouais. you guys type of thing. ouais mais sinon ouais. on n'a pas besoin de ce de, de... on a un truc où est-ce que quand on brainstorm tu comprends, ou alors des fois on se rend même pas compte qu'on brainstorm, on est juste des amis drôles qui se parlent. Puis oh là il ouais, y a une blague ça. qui sort. Ça devient part of. Uh, puis Là uh, il y a, a... a quelqu'un qui dit TM. Comme ouais. <laughs> yo, ça je viens de TM, c'est Oh à moi. shit, ok. Ouais. <laughs> tu, sais, puis, tu sais comment c'est fou, for real, bro, il y a du gros respect puis du love. C'est-à-dire, toi tu es en train d'écrire un numéro où, 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 sur une thématique. Puis ton boy là il a fait deux ou trois fois un numéro sur le truc. Tu te dis oh bro, ce truc là il va vraiment fit dans mon bail. Est Ce que tu peux me laisser, puis la plupart du temps, c'est comme vas-y, C'est Mais à la fin, c'est The team. Le team wins. Là, ouais, c'est oh, vrai que son numéro. On est conscient de ces choses-là. C'est rare que. Moi, j'ai une question d'humoriste pour vous, vu Allez. que je sais que vous êtes pressé, vous avez des choses à faire, des spectacles, des stages à Exactement, on ne va pas faire mm -hmm. le Patreon cette fois-ci, mais on a beaucoup de contenu exclusif Il sur la bien chaîne. Il s'en vient pour tout le monde sur le Patreon. Il Big love à tout le monde sur le Patreon. Quand que vous voyez des affaires comme Will Smith qui va qui gifler Chris Rock sur stage, yeah. ou que vous voyez un gars jump et tackle euh, Dave Chappelle, yeah. c'est pas très conseillé comme... de faire ça avec nous, bro. ça je me demandais, c'est qui, qui le comme fishnet Goon, genre hein? C'est est Shalom. bro. Est gay, est <laughs> On est... Ouais, déjà, tous les gars de fishnet, ils font de la boxe. Oh, sure, oh, ouais, 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 ouais. Ils aiment ça, genre. Shalom, t'as Mirage qui okay, entraîne les gars, moi, elle m'a pas encore vu dans le gym, mais je vais faire J'arrive next week. Euh, mais... bien. Non, bro ouais, on compte sur que ça... Ouais, -être pour, être... pour vrai, c'est vraiment... Moi, quand j'ai vu ces bail là je me suis dit, c'est inquiétant comment les temps sont durs, comment le monde ne va pas bien, puis comment la pandémie mmh. a aidé beaucoup de mais gens. Mais moi, du côté, comme, ok, à part le côté un peu funny, mais du côté, tu humour, c'est parce qu'il a fait une joke sur, sur sa femme. Ouais, les jeux a, de quelqu'un. Oui, est... mais ça veut dire que... Moi, je m'inquiétais plus, plus pour Suite qui elle, qui ne va pas bien. Ouais. Que les ouais. gens ne vont pas bien, c'est mmh. ci bro. Pas ouais. dans, dans une normalité où les gens gagnent bien leur vie, où il n'y a pas trop de pression, ou toutes ces trucs-là, la haine sur les réseaux sociaux, puis tout ces truc là oh, Moi au début, je pensais que c'était arrangé tellement que c'était. Ouais, c'est fou, pour ça. ça veut dire que une, une carrière artistique comme ça, avec toute la pression que ça comporte, puis comme sa famille, puis tout ça. Le pâté, il est brûlé, là. Il ouais, n'est pas est bon. Il n'est pas, vrai, pas bon. C'est vrai, vrai. vrai. Ouais mais vous, vous êtes dans des shows, des fois, où que, vous parlez aux audience en avant, ouais. vous des jokes. Ça ouais. arrive, qu'on se fasse menacer, qu'on se fasse... Ah ouais. Bah, On ouais, bah, ouais. a déjà dit pas ça, autre chose. Mais non, on le fait en discrétion, t'inquiète mon gros, si t'es pas dans un bon état pour parler, ouais. je te parle pas. on n'est une... pas la donne. Ça bye bye. Je je tiens jamais c'est OK, à mais il y a du monde qui, mais... qui prennent, c'est bizarre ça passer. Ah, tu es nous, pas dans un chose. Arrive t'as passé une mauvaise journée, bon ça ouais. te hurle, Ouais, mais si t'as passé une mauvaise journée, il va pas t'asseoir front row comme ça. Tu acheté des billets d'avance, t'as acheté quoi, des billets puis ouais, tu veux faire okay. plaisir à ta copine. Moi j'ai plein de parties que moi dit. Quand ça m'aille arrive puis tu vois pas de se. C'est ça, même moi si je vous veux kiffer avec les gars, je vous dire je pique, je veux kiffer avec les gars. On veut se faire afficher. Voilà, c'est ça. On back il y a des stand up Rencontré qui faisait le, le nasty show euh, durant le juste pour rire, whatever. Puis il était comme, ah, viens, da, 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 il m'arrange. Mais m'a dit, bro, whatever you do, si tu veux pas de stress, assieds-toi pas en avant. Voilà, c'est vrai ouais. oh, okay. quand je suis arrivé, j'ai compris, ouais. bro, j'étais comme, ok. Yeah. Bah, c'est vrai que si tu veux Puis, être low key, assieds-toi low key. Tu es pas devant voir l'éclairage. Non, mais tu sais, comme même le public, il va, il va plus vouloir s'asseoir devant à nos shows. Mais c'est pas vrai, bro. Si tu nous, pour de vrai, ça m'a raison, bro. Si tu, comme il y a des gens qui nous le disent sérieusement, là, qui disent, yo, je suis je suis pas sous ça. Il y a la place, nous, de prendre malaise ou sur notre De toute regard. façon, vous êtes vraiment pas très pas Jamais je assez un moment pour, la salle. pour. Tu le ouais. remarques là, ouais. tu es sur stage, tu vois. En fait, le nous, partenaire. notre mec, c'est simple. Si tu veux roast un pat, il faut qu'il rigole. C'est une voix qui rigole. Ça, on y va sans être très beau. Souvent, même, il y a des gars qui aiment interagir avec l'humoriste. Moi, je prends toujours celui qui chou un peu. tu vois Je vais pas prendre le timide et tout. Pourquoi je vais le mettre inconfortable Il vient chiller. Il y a une question qu'on pose tout le temps, puis on va finir là-dessus. Yeah. Là, on parle de gens qui n'ont pas vraiment envie de parler. Mais vous, avec qui vous auriez envie de parler si on vous donne une heure de faire un podcast avec n'importe qui dans le monde Je te donne un guest. C'est qui que vous choisissez Une heure, tu peux poser n'importe quelle question. Une personne à qui tu envoies. Euh, 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 Martin Luther King. Oh, oh wow. Okay. Ouais. Oh, C'est pas, pas normal prendre autant de hate puis rester loving. Parce que j'ai peur que si je fais un, un, un podcast mm. avec Malcolm X, ça peut que ça sauve. Je, je demande un bye. Yeah. Malcolm, il n'y pas de... Next question, please, Gopia Mais Martin Luther King, puis euh, même Greta en ce moment, qui est un peu... Euh, Nelson Mandela, toutes ces ouais. gens-là qui sont restés pleins d'amour face à de l'adversité comme ça, puis qu'ils ont aidé de communautés, je suis oh non. Ouais. Ok. Fax, okay. Ouais. Ouais, man. Et toi, Anas Yo, c'est tellement une bonne question, À quel genre de personne t'as envie de parler Est-ce que c'est une personne plus euh, qui restent en PEACE ou une personne Bah moi, étant donné que moi je suis déjà un crétin, j'aimerais parler à quelqu'un qui a un cerveau, tu comprends Comme fait que, je sais pas, je prendrais genre un bon scientifique. Là. Bah, oh ouais, Anas, hein, ouais. c'est comme la vérité, c'est comme un... moi, pour moi c'est comme un sensei okay. Il... Mais en parlant de vérité, c'est quoi une vérité que tu voudrais? Ouais, Peut-être pas... Mais si t'avais une quelqu'un qui pouvait te, t'as une question, un génie te répond à ta question, c'est quoi que tu voudrais savoir? Ouais. <laughs> ah ouais. God damn. Ça c'est une bonne question we're going ça. deep right now. Il quoi dans les croquettes Sérieux, <laughs> comment il va complètement, bro Sérieux, man. Euh... C'est des vraies frites. <laughs> I know there's crack in there somewhere. pourquoi je sais que c'est pas bon mais j'en veux. Ouais, <laughs> c'est fait, ouais. Sérieux, sérieux, pourquoi les gibus là Sérieux. Ouais, une vraie <laughs> question, man, est-ce qu'on est-ce qu'un jour le monde va mieux aller For real genre l'écologie puis moins de mm -hmm. racisme puis moins de haine ce serait cool C'est sérieux pio pour vous changer les idées allez voir le spectacle des frérots yes si sir. vous pouvez le rappeler avant de finir c'est où qu'on vous voit c'est le voir. 23 juin ça se passe au club yo. soda yeah. c'est dans le cadre du festival mobilo y'a already know okay. aussi <inaudible> des shows one man show de une heure chaque yeah. le 20 et le 24 juin Ooh. Right? C'est incroyable. On est comme un oh, like porcupine. Yo, avant qu'on bouge, il faut que je fasse des rapid-fire questions. Mon gars. On fait ça rapide, ok? Je vous demande à vous deux, vous répondez les deux. Tajine ou Poutine? Tajine, 100%. D'être. Ok, ok. Euh, vous pouvez répondre chacun pour. Euh, on va, on, on a la même réponse. Uh, Oussama, chaque fois que je parle à Anas, si il me dit. Ah! Ça, yo, ça donne quoi? <laughs> Anna, à chaque fois que tu parles à Oussama, il te dit. Yo, c'est quoi les moves? <laughs> ok. Si je vous dis grand stage ou petit bar? On prend tout, les ouais. deux. Les deux, <laughs> <Les> deux net. <laughs> ok. Euh, finissez la phrase. Le dernier album que j'ai bump à fond est. Whisky. Oh, Whisky. Ouais. Ok. T es encore dans les vibes? Je euh... connais, afro, okay. afro. Ok. <laughs> Le nice? dernier album que j'ai bon à fond. Ça fait longtemps que j'ai n'ai pas bombé un album à fond. C'est fou. Maintenant, la musique, tu écoutes ça vite. Ouais. Yo, man. C'est quoi dans ton Spotify en ce moment T'es chaud, là Dans mon Spotify en ce moment, j'écoute euh, l'album de Ratch. Yeah. 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 Ça revient souvent, viral hein, la carrière. <laughs> gros projet, gros projet. Ok. Euh, finissez la phrase. Le dernier stand-up qui m'a épaté, impressionné, bouleversé était. Où ça m'a ah, fait ah, oh, Ok yeah. les gars, c'est... Une... Hey, oh, yeah. 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 Ok les Appel <laughs> ou texte Ah non, on est des gars d'appel. hein ah, Ouais, Surtout, euh, ouais, on s'appelle. FaceTime ah. Face même, mm. comme si vous voir l'émotion. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> ok. Repas maison ou resto Maison. Resto, mais ça nous rend plus heureux. Hein? Ouais, à vous, 100%. On aime Cook maintenant. Spaghetti, ouais. petit parmesan en équipe. Diah, ça donne. <laughs> Fini bien la soirée, ok. Euh, une dernière avant qu'on bouge, man. Si je ne serais pas dans le show business, je serais. Euh, coach du Barça. <laughs> ah ouais, hein, t'en acceptes. <laughs> Yo, moi, si je n'étais pas dans l'humour, je serais sûrement en train de fucking. Nettoyer plancher avec ce gars-là. En <laughs> vrai, <laughs> ouais, je pense qu'on aurait été pêcheurs, moi, puis à la Sardine, au Portugal, au Maroc. Hey, whatever the grind, it's a good grind, yeah, man. Complètement, 100 Guys, merci encore une fois d'être passé. Maintenant, on sait que vous êtes tight sur le merci temps. Merci à vous les respect. boys. Pardon les gars. Le merci de nous avoir reçu. C'est pas la dernière fois quand ça se. Sérieux, vous avez bien mis time. Tout le monde, on vous invite tous au show. Le 23 juin, Club Soda, ça va être lit. Yes, you might sir. see us in the building. Mm -hmm. You might see superstars in the building. Vous savez, c'est comment, man. Moi, je vois les snaps en plus. Chaque fois que je ne suis pas là, je suis comme, damn. Je vous gagne des biens, là. Mais on veut vous aider, là. là. Tout le monde Moula. va aller show. Moula. Venez, les frères, c'est lit. On va être là le 23 juin, Club Soda. Checkez leur show solo. Checkez tout ce qu'ils font. Suivez-les sur les réseaux, man. Y'all know mm. what we doing, man. Merci encore une fois, Respect. les boys. Merci, les boys. Merci, les boys. Merci, les boys. Merci, les Merci, les Merci, les Merci, les Merci, les Merci, les boys.

Merci les frérots J'espère que vous avez été cool merci. On a Super. fini juste juste. C'est pour vous, c'était good, c'est good pour nous. Ah nous on a adoré J'ai trouvé le temps à passer tellement vite bon. C'était vraiment chill bro. J'adore ça. Frère, vous oh, merci beaucoup, oh c'était incroyable. J'ai adoré ça.